Bonjour à tous et bienvenue dans le mois d'avril. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 2 avril. On commence un nouveau mois. Alors, je vous ai déjà parlé un petit peu des mois. Et puis surtout, il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup qui vous a expliqué des choses sur les mois. C'est Cécile. Vous savez, elle fait des vidéos, elle vous montre son jardin et ses petits copains et elle vous parle du temps. Le temps qui fait, s'il fait beau ou pas, ce qu'on appelle la météo, et aussi le temps qui passe avec les jours de la semaine et les mois. Je vais vous mettre dans les liens, vous savez, tout en dessous, là où il y a plein de choses écrites pour les parents, le coloriage du mois d'avril que l'on a dans la classe. Est-ce que vous vous en souvenez? C'est un coloriage avec un petit garçon qui a un poisson dans le dos. Et oui, hier c'était le 1er avril. Le mois d'avril, c'est le mois qui commence le jour où on fait des poissons d'avril, on fait des blagues. J'espère qu'à la maison, vous avez fait des blagues ou que vos parents vous ont fait des blagues. À l'école Jean Zay, nous, pour le 1er avril, on n'a pas fait de blagues. Mais par contre, on a le maître Denis qui nous a envoyé une vidéo. Il a créé une chaîne pour faire la chorale. Et hier, il a enregistré les petits poissons. Je vous mettrai le lien aussi en dessous pour que vous découvriez les petits poissons avec le maître Denis. Je vous mets aussi un lien vers un très beau coloriage. C'est un coloriage de mandala, mais c'est un coloriage, c'est pas pour les plus petits, hein. Il faut vraiment beaucoup de précision, mais tout le monde peut essayer. Je vous en reparlerai un petit peu après. Le mois d'avril, c'est surtout le mois de l'anniversaire de Ismaïl et de Shiraz. Ismaïl, c'était hier, mercredi 1er avril, et c'est pas une blague, c'était l'anniversaire d'Ismaïl. Ismaïl, j'espère que tu nous regardes, parce que pour l'instant, on n'a pas encore de tes photos. En tout cas, je te souhaite un joyeux anniversaire. Et l'anniversaire de Shiraz, ça sera pendant le week-end dimanche, donc on lui souhaitera au retour du week-end. Maintenant, pour fêter ce début de mois d'avril, je vous propose de faire la pêche à la ligne. Vous vous souvenez, le jeu de la pêche à la ligne? On en a un dans la classe. Pour faire la pêche à la ligne, je vous propose de regarder la vidéo que j'ai mise juste après celle-là, une vidéo qui parle que de la pêche à la ligne, et puis après je vous retrouve quand les poissons seront faits. Quand vous aurez fini de regarder la vidéo sur la fabrication de la pêche à la ligne, vous aurez tous au moins un poisson et la canne à pêche pour réussir à pêcher le poisson comme en classe. Dans la vidéo, je vous explique aussi comment on peut colorier en appuyant fort ou pas trop fort. Et vous verrez que dans le mandala poisson, celui-là là, que je vous ai mis pour les enfants qui peuvent imprimer, je vous mets un modèle où on peut réussir à colorier le poisson avec juste ce crayon bleu, un crayon orange, un crayon jaune, et réussir à faire un très beau coloriage parce qu'on va appuyer fort ou pas fort. Je vous laisse travailler. Je vous souhaite un très bon jeudi. À demain.